Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est VisiGaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur Splasher, un jeu qui est déjà sorti sur Steam et qui devrait aussi sortir sur PS4 et Xbox One dans le troisième trimestre 2017. Comme vous pouvez voir, c'est l'early demo, la 1.0 en fait. Le jeu c'est un, je sais pas combien de temps en fait qui est sur mon PC. Mais je voulais absolument en parler, je voulais absolument jouer à ce jeu et je l'ai oublié. C'est vraiment con hein, d'avoir oublié un jeu comme ça, mais je l'ai oublié. Parce que c'est vraiment un jeu que je voulais vous faire découvrir. C'est un jeu français fait par une toute petite équipe. Et qui est déjà sorti sur Steam à peu près 12€. Et qui va arriver aussi sur PS4. Donc on va refaire le premier niveau que j'avais déjà fait. Hein. Donc ce sera pas un gameplay découverte pour ce niveau, mais au moins je vous fais voir ça quoi. Donc ici en fait on contrôle un petit nettoyeur, un petit agent d'entretien, je présume. Et notre but ça va être de nettoyer des tâches au sol, tout ça, et de récupérer aussi des agents d'entretien ou tout en avançant et en nettoyant tout ça. C'est un jeu de plateforme, ça a l'air être assez assez complexe. C'est un Dying Retry, on peut apparaître, enfin ça me fait un peu penser à du Super Meat Boy, tout ça, Super Meat Boy, ou récemment on a eu quoi dans le même trip, on a eu Broforce ou des trucs du genre. Broforce c'était avec des gens avec des balais. Il y a un petit moment déjà sur PS3 tout ça, qui est franchement assez cool. Il faut aussi le découvrir ce jeu. Donc ici ce qu'on va devoir faire c'est vrai, si en fait nettoyer des tâches tout ça pour récupérer de l'argent hein, et puis on avancer dans un niveau standard quoi. Et après ce qu'on va devoir faire c'est aussi des courses contre la montre. La lave qui est en dessous de moi là. Après, dès que je vais péter la machine qui est juste devant moi là, ça va déployer de la lave et en fait ça va être une course contre la montre dans le niveau en fait. Là, comme vous pouvez voir, il va jeter de la saleté partout. Mais on va pas s'en occuper en fait. Nous, notre but là, c'est vraiment de faire exploser la machine et de pouvoir avancer. Et en fait, dans le jeu au début, on a que de l'eau. En fait, on a un élément, c'est de l'eau, en fait, qui nous permet de nettoyer toutes les crasses, toutes les merdes. Mais il y a aussi, par la suite, vous allez voir dans la vidéo, on va pouvoir aussi récupérer des taches rouges qui vont nous permettre de rester scotchés au plafond, sur les parois. Après, il y aura des taches jaunes qui vont nous permettre de faire des bondes et nous propulser, faire propulser des objets, tout ça. Et après je ne sais pas trop hein. C'est vraiment une découverte aussi pour moi là. J'ai fait que ce niveau hein. J'ai pas été très loin. Je voulais vraiment le découvrir encore avec vous ce jeu. Et c'est vraiment un jeu que j'attends moi. J'attends vraiment qu'il sorte sur PS4 parce que j'ai pas d'Xbox One. Et puis je suis pas un joueur PC, j'ai pas un PC pour jouer au optimum. Surtout moi dans ma gaming room, j'ai pas trop de place pour ça, pour mettre un vrai bureau tout ça. Donc en vrai mon PC sur des étagères tout ça que je me suis fait moi-même quoi, en mode débrouille. Donc pour jouer avec un clavier souris et tout ça, c'est un peu tendu. Mais bon, moi pour l'instant en tout cas, vu que je joue pas sur PC, ça me suffit largement mon setup comme ça. Si vous voulez un jour, je pourrais peut-être voir aussi mon setup. Si vraiment ça peut vous intéresser. Donc comme vous pouvez voir, ça se joue vraiment tout seul, enfin c'est tranquille. On a une touche de saut, une touche d'action pour le flow quoi, pour l'eau, et la touche le joystick directionnel gauche. En fait c'est la touche qui va nous permettre de viser avec son pistolet, son water pack comme Mario Sunshine quoi, dans toutes les directions. Là vous pouvez voir en fait cette vidéo va aussi me permettre d'essayer un nouveau logiciel. Là je suis c'est la première fois que j'essaie ce logiciel de capture. À la limite dans la vidéo vous pouvez toujours me dire
si cette vidéo vous a plu et si la capture était assez bonne. La caméra elle est un peu plus proche de moi, je sais pas si elle est de meilleure qualité ou pas. C'est la même, hein, c'est juste mon logiciel qui l'a changé. Donc là on va avancer tranquillement dans le niveau et après ce qu'on va pouvoir faire c'est que là on fait une chute libre. Il faut directement taper vers le bas et là ça va être une course contre la montre. Hop, je meurs. C'est la première fois que je meurs d'ailleurs. Je meurs, hop, je recommence directement à vraiment pas loin quoi. Au dernier checkpoint. Là on sait qu'on va sauter, qu'on va devoir tirer en bas, donc je me prépare déjà pour tirer en bas. Et là on va travailler. Hop, on essaie toujours de récupérer les petits bonhommes, les agents d'entretien. Je sais pas si... Ah bah on est déjà arrivé à la fin du niveau. Donc ça a été un peu vite. Et on a récupéré tous les agents d'entretien et j'ai su débloquer le truc violet là. Avec mon argent pour débloquer le dernier agent d'entretien. Là on est dans le niveau 2, donc le niveau 2 je l'ai pas du tout joué, je l'ai même pas vu du tout. En fait ce jeu là je l'ai découvert sur Gamekult. Il y a aussi un youtubeur que j'apprécie qui avait fait une vidéo dessus. Ils avaient fait aussi des vidéos sur Gameblog. Je l'avais découvert sur Gamekult aussi. Le youtubeur c'était BB300. Il l'avait présenté et franchement super cool quoi. Donc ici, hop, ça fait un peu... Ok, je dois détruire. Ah, 4 de là et 2 de... Et 4 de l'autre côté, mais ils apparaissent pas au même moment, au même endroit. Ah, ils apparaissent pas, la vague, elle n'apparaît pas... Oula. Ok. Je préfère... Enfin, j'ai essayé plus de nettoyer la saleté que... Je vais me concentrer sur... Là on va essayer de pass-fail. Ah, on va essayer de pass-fail. Donc ici ouais c'est la première fois que je le fais. Là, il va y avoir le gros là. C'est bon. On essaie de nettoyer au maximum quand même. Ça nous remet de l'argent et au moins ça peut-être débloquer le dernier agent d'entretien. Et là on a débloqué le pouvoir rouge. Donc le pouvoir rouge se déclenche pareil. Ah non. En fait le pouvoir rouge c'est sur ma touche rouge. Le bleu sur la touche bleue, je viens de remarquer ça. Ça c'est cool, c'est marrant. Donc je peux rien salir. Par contre là, ça va me servir à monter. Ah, je peux monter comme ça. Oula. Je préfère qu'il me tue parce qu'il a tué un des agents d'entretien que je voulais récupérer. Donc à la limite qu'il me tue, c'est pas très grave. Je vais essayer de lui sauver la vie là. Merde, mais comment je peux le récupérer? Ah, il faut du rouge. Je me tue et je réessaye ça tout de suite. Sur des jeux comme ça, moi je suis pas trop complétiste à la base. Mais sur des jeux comme ça de plateforme tout ça, ouais franchement ça c'est vraiment le trip qui peut me rester pendant des heures et des heures sur un jeu quoi. Ok, donc le rouge ça va le
le bloquer au sol, enfin l'immobiliser, et je récupère l'agent d'entretien et je ressors quoi. Et je me décale pour pouvoir tuer le avec mon eau. Voilà, c'est bon. C'était pas très compliqué, c'est juste qu'il faut prendre le coup de main, il faut savoir ce qu'on fait quoi. Donc là, il faut que je me mette au plafond. J'avance comme ça. Donc le violet, c'est vraiment ce qui va me ramener de l'argent. Le rouge, à la limite, c'est pas très grave. De toute façon, c'est moi qui le mets, donc... On peut trop rien faire. Hop. Parfaitement, parfaitement, parfait. Donc ouais, ce jeu a été fait à très peu de personnes. Si je me rappelle bien, il a été fait à 3 personnes. Juste encore comme Locomadito Game. Là, Par contre, eux, ils vont le vendre leur jeu. Et je dis pas que c'est mal, hein, parce que c'est normal, tout travail mérite salaire. Ah zut, je me suis fail comme une merde. En fait, à la base, je voulais présenter un autre jeu que j'ai découvert très récemment. Je l'ai découvert hier soir en fait. Et bah juste après cette vidéo, je vous ferai cette découverte quoi. Mais là, je fais un peu n'importe quoi, je meurs comme une merde dans tous les sens. Donc on va peut-être un peu se concentrer et juste après je me concentrerai pour la deuxième vidéo que je vais tourner juste là. Actuellement, je fais beaucoup de vidéos sur des jeux pas très connus, les jeux du PS Plus, ça n'a pas changé. Et je sais pas si ça changera. Ah putain! Moi, je veux savoir si je peux juste bouger, voilà, en fait, avec une touche de derrière. Sans que mon personnage bouge, je peux très bien bouger mon Wattpad. Et ça, je pense, c'est des jeux à speedrunner, quoi. C'est vraiment du gameplay aux petits oignons, tout ça. Ah, mais putain! Pardon. Donc, quoi, ici, je ferai... Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer de la finir, toi, cette petite vidéo, cette petite bêta, quoi. Et dès que le jeu sort sur PS4, à la limite, je vous refais une vidéo pour vous dire qu'il est arrivé, puis pour moi, avancer, quoi, parce que c'est vraiment des jeux que j'ai envie de jouer, j'ai vraiment envie de faire pour moi, pour ma culture, pour ma chaîne, quoi, pour mon plaisir. Je sais pas du tout comment je peux l'avoir lui. Parce que si je me fais comme ça. Ah bah non, avec du rouge. Ça marche aussi très bien avec le rouge quoi. Putain, mais pourquoi je voulais à tout prix faire ça avec de l'eau. Allez, cette fois-ci, on va essayer de. Parfait. Donc là, j'ai déclenché une roue qui l'a zigouillé. Ok. Donc là, hop, on met ça, on zigouille avec ça, on récupère le vieux avec le violet, on nettoie le violet plutôt. Franchement, ça se joue super bien.
Moi je vais, il faut que je vais par là. Donc je vais mettre un peu de rouge déjà comme ça. Hop. Est-ce qu'il va y arriver? Non, je sais pas, j'ai peut-être sauté un peu trop tôt. Bon, cette fois-ci on essaie d'y arriver et pas de trop se fail. Bon, tant pis. Hop, merde. J'essaie de ne pas me tromper et puis je fais n'importe quoi. Zut. Bon, à la limite, je vais pas nettoyer toutes les traces violettes. Je vais essayer de vraiment d'avancer un peu plus, quoi. Donc là, comment je peux faire? Si je vais par là, déjà, je perds le bonhomme. Là, je peux peut-être... Et je l'ai tué. Bon, tant pis, c'est pas grave. Pour une fois, on va le laisser passer. Et puis, c'est ce qui nous permettra aussi de revenir dans les niveaux, quoi. Franchement, je suis impressionné comment ça se joue, mais méga bien, quoi. En fait, ouais, il fallait vraiment juste le coincer, enfin, qui nous saute dessus. Pour qu'il soit coincé avec le laser. Je me demande si, quoi, il y aura de pouvoir. Hop. Vraiment des très très bonnes phases de plateforme. Hein. Je suis vraiment. Ah putain, j'ai pas fait attention. Oh tant pis. On va déjà essayer de finir ce niveau, finir cette bêta, enfin cette alpha, bêta, ouais. Ouais, j'adore le gameplay. Des choses qui me parlent, quoi. Voilà, ça c'est le pouvoir que j'ai vu aussi en vidéo, hein, c'est le pouvoir jaune, donc il va nous permettre de faire des grands bonds. Parfait. Si je peux monter un peu plus haut même, ce serait encore mieux. Est-ce que je peux rebondir là pour essayer de monter encore plus haut? Voilà. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais faire. Bim. Ah merde, là il faut sauter directement de l'autre côté, quoi. Zut. Et si, est-ce que si je saute, il saute plus haut? Je sais pas. Hop, hop, un peu plus loin peut-être.
Et on a fini le deuxième niveau. Merde. Donc est-ce qu'on va réussir à débloquer le dernier bonhomme? Ouais, largement. Donc j'ai largement eu. Par contre il me manque deux bonhommes que j'ai raté. Et là ça va être le dernier niveau donc. Ouais. Je peux pas aller plus loin. Donc ce sera le dernier niveau de cette alpha quoi. Oh, ça va être un contre-la-montre. Merde, c'était pas là. Voilà, c'est bon. Il reste assez gentil quand même avec nous, quoi. J'aurais très bien pu mourir ici comme une merde parce que j'avais pas fait ce qu'il fallait dès le départ. Mais franchement, ça a été super gentil. Donc là, il faut que je... Alors là il faut que je détruise celui du milieu déjà. J'ai pas lu le territoire avant de me lancer. Merde. Donc là c'est quoi? C'est un combat. C'est des combats d'arène? Il va peut-être sauter. Voilà, c'est comme ça qu'on fallait le tuer. Merde. Ah merde, en fait j'essaie de tout faire en même temps, de nettoyer, de tuer les ennemis, tout ça, c'est pas la bonne chose hein les amis. En fait c'était assez facile, je vois pas pourquoi j'avais galéré, je suis mort de fois quoi. De récupérer quand même toutes les traces. Là je peux rien faire. Merde, peut-être de là j'aurais pu le tirer dessus. Bon c'est pas grave. En dessous j'aurais peut-être pu tirer en travers la grille avec mon eau quoi. Là il y a un premier ennemi, un premier truc à libérer. Et c'est le jeune. Donc il faut que je mette ça d'abord. Et là du rouge. Ouais, en fait, il faut mettre un peu de jaune, je pense. Ah, ok, c'est bon. Donc c'est bien ça. Donc là du jaune, du rouge. Hop, du rouge un peu jusqu'en haut. Ah putain, mais je fais n'importe quoi. Donc du jaune, du rouge. Là, on tire en haut. Hop, du jaune. Il vient et on l'a. Et je meurs comme une merde. Qu'il faut lui faire. Pourquoi je fais de la merde? Voilà. Oula, il veut coller. En fait, avec mes pouvoirs, mon jeune, il va l'expulser. Donc, attends. Là. Et hop, à partir de d'en haut, il faut lui mettre du rouge. Pour être expulsé de l'autre côté. Les musiques elles sont assez cool comme vous pouvez entendre aussi. Franchement une bonne BO. Ah putain j'ai fait n'importe quoi.
ça, là je saute, là de l'eau. Putain, c'est le gameplay, il est aux petits oignons quoi, il est parfait ce gameplay. Donc, il faudrait que eux, ils vont dans le rayon. En fait, le gros, il faut l'appâter vers nous. Bah voilà, comme ça. Comme ça, le gros était directement... Ah, tu fais comme ça, quoi. Hop. Là il va s'arrêter là par rapport. Franchement même la lecture de la map tout ça, des actions qu'on a à faire, elle se fait nickel. Ah trop court. On essaye, hop, juste au coin. On va essayer un maximum, là il va, je vais pas pouvoir passer parce qu'il y a le truc. On va attendre, là on y va, on met du rouge, on dépêche. Ouais parce qu'il faut se dépêcher parce que sinon on a le retour du bâton avec le violet quoi, le laser. Donc là, et si je mets du jaune? Non ça marche pas, faut absolument mettre du rouge. Merde. Je vais essayer d'aller trop vite. Non, là, comment je peux l'avoir ? Avec du jaune. Voilà. Zut. Moi je viens de là-bas. Donc il faut pas sauter de tout de suite, il faut sauter après, de là peut-être. Et pas mettre de jeune de l'autre côté non plus. Putain, mais pourquoi je fais n'importe quoi? En fait c'est parce que je veux vraiment aller trop vite quoi. Donc là, en sautant. Voilà. C'est pas ce qu'il veut faire à la base, parce qu'à la base je vais peut-être le tuer sur le derrière quoi. Donc là c'est un niveau poche-poche. Là, au moins il va nous emmerder. Ah merde, il faut les tuer lui. Ok. Après il y a une lecture à faire sur les ennemis quoi, parce que les ennemis se ressemblent tous à... Enfin, il y a quand même une grosse ressemblance entre tous les ennemis. Et par contre, pour les tuer, c'est une technique un peu différente. Donc, il y a peut-être une chose à revérifier quoi, avec ça.
Mais j'espère vraiment qu'il sortira très très vite sur... qu'il sortira vite sur, sur console, parce que c'est à ce moment-là que je pourrais le faire, quoi. Et ça, c'est vraiment mon trip, mon style de jeu, mon... Ça, je peux en manger matin, midi, soir, des jeux comme ça, tu vois. Je vais finir par l'apprendre par cœur, ce niveau, hein. Ah là là, c'est compliqué, surtout quand on veut faire des trucs comme moi, quoi. On veut tout récupérer, tout ça, c'est compliqué, il y a du challenge. Mais c'est ce qui est bon. Donc là, il faut que chaque fois, deux fois, que je vise de l'eau, que je ressorte, que je me grippe, que je vise de la botte, que je ressorte, que je m'éjecte, que je saute, merde. En fait, j'aurais dû retomber sur la plateforme, ressauter directement. Et j'aurais une belle petite avance déjà. Donc là, jaune, rouge. Je vais, en fait, en même temps, je vais essayer de le commenter parce que c'est... Pour que vous voyez aussi la complexité de la chose, en fait, avec les boutons, tout ça. C'est assez complexe à faire, hein, faut pas croire que... Je suis mauvais, certes, je suis mauvais, mais franchement, c'est assez complexe. On est pris de panique comme ça, pas de rush comme ça, on peut très très vite se tromper, quoi, sur les touches. On va le laisser mourir, c'est pas grave. Parce que sinon... Ah, viens ici, on va essayer de monter. Bim. Bah ça va, en fait c'était juste à deux doigts de la fin, quoi. J'aurais essayé de récupérer, peut-être qu'on aurait eu 100% et ça aurait été beau. Donc on a fini cette alpha, cette bêta, tout ça. Et moi ce que j'ai envie de dire c'est que putain, le jeu il me botte mais comme c'est pas permis. Le jeu a été financé, il arrive en deuxième, troisième trimestre à peu près. On va laisser la team, tout ça, comme ça vous pouvez voir. Donc ça a été fait par Romain Claude, Richard Vallée et David Boitier. C'est une toute petite équipe pour un jeu de cette trempe, de cette qualité. Franchement, je trouve ça ahurissant. Donc là, il y a un time attack et c'est tout, hein. Time attack on, time attack off. Là, je sais pas c'est quoi. La démo est complète à 54%. On va voir si le time attack va servir à quelque chose. Faire 2 minutes 40. Finir le niveau en 2 minutes 40. Et ben on va se tenter. Quatrième essai dans le time attack. Là on essaie de faire les 2 minutes 40. Hein, time attack, le premier monde. Je pense que c'était le plus accessible à faire en tout cas. Donc on va essayer, même s'il y a des choses un peu chiantes à faire, je trouve. Comme attendre que la portale s'ouvre, des trucs comme ça là. L'ascenseur il met 2 heures à monter. Ce truc là, il met 2 heures aussi, c'est chiant. Là c'est assez long, donc faut qu'il fait ça à la limite. J'ai le temps de regarder mes messages, tout ça, parce que là c'est putain de long, quoi. En plus après une cinématique qu'on peut même pas zapper. On peut voir les musiques, franchement elles sont assez cool. Et là on va essayer de tryhard, hein. Là ça va être la chose la plus dure à faire. Ah le plus dur reste à venir, quoi. Là c'est assez long, j'aimerais bien qu'il va un peu plus vite. C'est dur, hein. C'est ce que je disais juste avant en fait, parce que je vais pas garder faire un montage. C'est que
ces phases de rush, elles sont chiantes. Par dans le time attack, c'est chiant parce que ça te coupe de ton gameplay frénétique, en fait. Ah, j'ai pas eu très très loin, quoi. Merde. C'est bon. À peu près. Non, j'essaie d'aller au plus loin. Allez, on y va. Donc, il faut quand même une connaissance du niveau quasiment par cœur, un peu. C'est vraiment comme ça que tu vas réussir un time attack, de toute façon. Y a pas de secret. Hein. C'est bon. Je pensais fail et rater la marche pour juste une accélération, mais c'est bon, j'ai réussi. Donc là, il me reste à peu près 40 secondes et le plus dur est à venir. Mais on y croit, allez, on y croit. Ah bah non, c'est bon. Bah non, pourquoi j'ai fait ça? Au fait, j'avais même pas besoin de débloquer le bonhomme. Au final, j'étais quoi. Bon, il faut faire 2 minutes 40, j'ai fait 2 minutes 31 avec un peu de perte de temps à la fin. Ouais, ça pouvait le faire en fait, je pouvais quasiment finir un peu plus vite. Bon, c'était Visi Gaming cette fois-ci sur Splasher, un jeu qui est déjà sorti sur Steam, qui arrivera en troisième trimestre à peu près sur Xbox One, PS4, Switch, on n'a pas de nouvelles, je pense que pour l'instant, ils n'ont pas communiqué dessus. Si ça sort sur Twitch, c'est peut-être la plateforme la plus adéquate pour ça, parce que c'est mobile, enfin on pourra se déplacer, tout ça, même le soir jouer dans son lit, tout ça, ça peut être super cool. Mais pour l'instant pas de communication, donc on espère quand même on peut espérer, mais pour l'instant en tout cas moi, sur la console que je prendrai sera sur PS4. Sur Steam, mon PC, même si là il tourne bien, je suis pas trop un joueur PC, comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai pas beaucoup d'espace pour moi jouer avec mon clavier souris. Même si ça joue à la manette, à la limite, je peux toujours le prendre sur PC. Vraiment, ça coûte pas cher, quoi. Ouais, franchement, peut-être à y réfléchir. En tout cas, c'est Visi Gaming cette fois-ci sur Splasher. Vous pouvez toujours partager mes vidéos, les commenter et les liker. Ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et surtout, amusez-vous bien. Surtout vos jeux en cours.